secteur. On retrouve la coalition d'Astrang qui se fait attaquer par une ruche mécanoïde. Hop, est-ce qu'ils sont atterris? Pas encore, pas encore. Alors, tac, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai. Alors, c'est que des faucheurs. Là, c'est deux faucheurs. Et le dernier groupe, c'est quatre faucheurs. Bon. Est-ce que je vais. Est-ce que je les attends? Est-ce que j'essaye d'aggro un groupe? Qu'est-ce qu'il y a le... C'est toi qui as le fusil de précision. D'accord, t'étais en train de bouffer. Termine de bouffer. Ouais, du coup, il se précipite tout sur la ration de survie, fait chier. Tac. Alors, est-ce que tu peux essayer de m'aggro le petit groupe là? Ouais, c'est grand, mais pas à ce point-là. Est-ce qu'ils sont là? Ah non, ils sont trois là. J'avais mal vu. C'est là où ils sont que deux. Ouais, où tu vas toi? Toi, tu fais un très mauvais point. Non, reste là, coco. Hop là. Il n'arrive pas à avoir un bon angle. Je suis attaqué. Barre-toi, barre-toi. Et nul. Oh, réussi à ce gros groupe. Allez, ça lance l'assaut. Sauve de l'aide. À se réveiller. Tac. Hop. L'assaut.
Alors, réorganisons un peu le bordel. Sir Madness. Tac. Tac. Hop. Tous ceux qui sont à distance, on les recule un peu plus. Bouge de là. Approche ici. Tac. Toi, t'es un combattant, mais pas terrible. Hop. Tac. Composants, nickel, plein de composants, le bonheur. Je vais souffrir. Alors, signal, bon, Henriette à terre. Francis, respect. Gros respect. Allez. C'est sauvé. Alors, j'ai juste trop signal et. Et Henriette qui ont souffert sévèrement. Katox, quand tu auras fini de bouffer, il n'y a personne qui venait secourir, non, tout le monde. Il y en a encore? Ah, putain, le con. Je savais que. Je savais qu'il fallait. Bing dans 3 heures. Wow. Y a personne d'autre qui va me soigner là? Bah non. Et Francis. Des games, tac. Attaque d'autres. Oh putain. Chier, bordel. Putain, quand ça veut pas. Ça
La faute, hein, j'ai pas défini la bonne. J'ai pas défini la zone. C'est un peu con de ma part. J'avais dit que je voulais. Dodge tout ça. Lycienne, tu peux t'arrêter tout de suite, mec, il faut que tu avances un peu. Oh la vache. C'était inattendu surtout. Bon, donc là, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une enceinte. C'est pas, je vais faire une enceinte. Toiture, j'ai plein de calcaire. Hop. Putain, mais tu fais chier, toi, sérieux? Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Pas enragé. Putain, mais pourquoi il n'y a personne qui la soigne? Et où la hague enragée, là? Il va finir par péter un câble pour des conneries. Youh. Grosse faim, très fatigué, bah oui. Oh putain, pour un truc de bois quoi, mais laisse tomber. Trop con. Il est où la hase? Là. Allez, clac, c'est bon. Problème réglé, plus de hase. Bien, allez, ça c'est fait. Les trumbos sont. On a vu qu'on pouvait se les faire, hein, mais. Hop, ça c'est pour Henriette. D'argent. Oh. L'avantage c'est quand il fait froid, une émission. Bah oui, couillon. Rossignol, putain. Bon, même avec une excellente. Salut John Peace! Bienvenue sur le live! Comment vas-tu? Nouvelle recrue.
Nouvelle recrue. Alors, donc, toi, t'es un travailleur, mais t'es surtout un très bon soldat. Artisan aussi. Hop. Alors, eh ben, tu es dans un endroit calme où te poser. Est-ce que tu veux que je renomme l'un de ces personnages à ton nom? J'en ai plein que j'ai pas encore renommé. Alors, je cherche Storch. Alors, Storch. Ah oui, mais c'est celui-là, je l'avais déjà. Celui-là, Storch, il est sur Yahoo. C'en est un qui m'avait pété un câble et j'avais moyennement envie qu'il me pète tout. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Je vais au fer à cheval. Bon. À la rigueur. Alors, en agriculture, que tout le monde sait que John Speed. Oh, bah c'est élégant. Alors, tu veux un agriculteur? Qu'est-ce que j'ai comme agriculteur qui n'est pas encore renommé? Fermier. Bah j'ai Storch. Mon meilleur agriculteur, mais il fait pas souvent l'agriculture. J'ai de la concurrence, on va dire. Il a trois. Très bon combattant, par contre. Ah non, tu veux pas pisser dans les plats. Je sais pas comme cuisinier. Ah bah tiens, j'ai lui. C'est un assez bon cuisinier que je viens de recruter. Un homme chat. Comme tu veux, au choix. Le cuisinier animaux artisan cuisinier, bien Storch qui est très bon combattant et assez piètre agriculteur. Hop, le premier. Donc le premier c'est Bacroherche. Hop, John Peace. Voilà. Tac, c'est fait. Bon, et ben on va partir en guerre. Alors du coup, lui, il faut nous une arme. Une arme de tir. Avant d'aller manger un plat, tu vas t'équiper. Notre fusil à pompe automatique. Bon. Toc. Donc toi, du coup, t'es un tireur. Dans l'ordre, t'es meilleur. Deuxième meilleur. T'as pris du yayo il y a 4,5 jours. Ok. Pourquoi tu m'en refais une? Ah merde. Non, j'ai pas le mode de rangement, mais je trouve qu'avec depuis la 1.4 avec des vraies étagères, on arrive quand même à gérer les choses assez facilement. Donc je me suis dit que ça le ferait sans.
Et de fait, ça le fait assez facilement sans. Il n'y a pas besoin du mode de stockage plus qui est très pratique, hein, je dis pas, mais fondamentalement, ça le fait sans trop de difficulté. Alors, du coup, je vais gagner un peu de place comme ça. Avec une petite porte pour passer de l'un à l'autre. Du coup, là, il va me falloir. Tac, tac, parce que j'en ai plus besoin. Et du coup, démolir, tac. Bon, on va peut-être la faire cette caravane du coup. Donc là, le danger est passé. Hop. Allez, formons la caravane. Hop. Donc, on reprend. On a dit Shadow. On a dit. Et ben, du coup, Storch. Très bien. Il faut que je me garde quand même aussi un peu de billes. Des fois que. Kokavnov. Sir Madness. Je vais garder. J'ai Éternel de toute façon. John Peace, le nom. DB Games, yes. 1, 2, 3, 4, 5. Henriette, elle reste à la maison. Onyxtro, 6. Contre mes nuits, 8. Mes 8 néandertaliens, ça devrait le faire. Hop. 2, 4, 6. Ben voilà. En plus, ils ont tous un adulte maintenant. Un peu de gaillot pour mes toxicos. Et donc, on avait 10. Là, tu m'en mets 1000. Tu me mets tous les plats possibles. Tu me mets les rations de survie. Tu me mets. John, ok, je changerai. Ça roule. Le lait, je le garde. Tu me mets 10 médocs. Et 25 herbes médicinales. 6,1 jours de bouffe. Normalement, ça va le faire avec les rations de survie en plus. Sans trop de soucis. Allez. C'est parti. Et du coup, il faut que j'autorise. Je le ferai quand. Dès que la caravane sera partie. Du coup, le Trumbo, je pourrais les apprivoiser. Alors, John, du coup, tu m'as dit. Hop, renommé. Eh ben, c'est toi qui vas les. C'est toi qui vas les pécho, les Trumbos. John. Hop, accepté. Ouh, énorme. Énorme. Le Trumbo qui se laisse apprivoiser comme ça, quoi. Oh, tu veux l'ajouter à la caravane, Coco? Ça, j'ai jamais vu encore. Il suffit que je dise que je veux les apprivoiser pour que. Alors, Chobiti est devenu enfant. Wouhou. Alors, Chobiti est devenu enfant trop mignonne. Dans sa petite barboteuse. Tellement adorable.
Ah non, c'est pas ça. Shirt et un pantalon. Les petits adorent. Eh ouais, c'est clair. Quel talent, je te jure. Incroyable. Alors, Chobiti, tac tac. Hop. Et tu vas me copier. Tac. Le planning de Damned. Est-ce que tu as des traits quelconques? Non, tu n'as pas encore de traits quelconques. Qu'est-ce qu'elle bouffe là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est immobile. D'accord. Pas cool. Catox. Ouais. Quand tu auras fini ça, tu iras me faire de la bouffe. Oh, fait chier. Fait chier, bordel. Bah si, c'est bon. Ça s'est guéri tout seul. Très bien. Coup de bol. Alors John, je vais passer nos interactions avec l'animal trop récente, c'est très bien. Du coup. Ouais. Ouais, écoute. Alors, je pourrais repenser également. Mon atelier, mon tout petit atelier, pour rajouter le truc pour faire des composants là, l'atelier de fabrication qui quand même me manque carrément beaucoup. Ça me manque vachement beaucoup, comme disaient les inconnus. Alors, du coup. Placer n'importe comment. Ça me coûte deux composants par batterie. Je vais en rajouter deux. Alors, je vais repousser les murs. Et là, je peux pas. Alors, je pourrais intégrer ça. Je pourrais le laisser à l'intérieur. Donc, production. Je l'ai fait, oui, la bouche chimique, je l'ai fait. Pas de recherche à texte, c'est bon. Atelier de fabrication. Je pourrais le faire là. Hop, oui, je sais que tu es en extérieur ici. Mais je vais faire des murs et une porte. Tac. Tac. Là, tu vas mettre ça.
Bien. Allez, c'est parti. À l'attaque. Vache. Ça, j'ai une cache, quoi. Ah, il fait moins 6 là. Ouais, ça fait pas chaud, moins 6. Laisse-moi deviner. Ah ben non, d'accord, j'ai toujours pas reconstruit. C'est des unités de thèse. Oublie les batteries. J'ai plus de composants, laisse tomber pas. Ah, mais je les ai utilisés où les composants? Hypothermie. Ah, putain. Pas cool ça. Pas cool du tout. Ouais, 21 degrés, c'est mieux. Ok, 9, t'es équipé comment? Chemise en cuir, pantalon renforcé, veste renforcée. Ouais, c'est un peu le souci des soldats, quoi, c'est que... Les merdes qu'aucun a fait HS. Putain. Extrême. Et les autres, ils sont comment? Ben, ça va, comment ça se fait, putain? Ah, mais c'est un diabloïde. Quel con. Ça, j'y avais pas pensé. My bad. My bad. Eh ben, ça tombe bien que je t'avais pas renommé. Hop. Façon, il va crever. Hein. J'y peux pas grand-chose. Je peux juste les attaquer. Ben Mood.
C'est con. Les mielleux? Pourquoi les mielleux? Vaisseau défouillateur. Ah, il y a encore que du cac. Bon, ça va, il est loin de moi. Je vais avoir le temps d'attendre le retour. Et... Désolé. Alors, il est lourd, bah oui. Ouais, bah, t'es pas resté suffisamment longtemps. Tac. Ah, les meilleurs, d'accord. Pas de soucis. Hop. Tant pis. Attends, du coup, est-ce que j'ai comme un nom? C'est qui le moins bon des trois en tir 13, 11 et 13. Ouais, j'aurais dû faire des sacs de couchage. C'est vrai que dans les zones froides, c'est quand même bien les sacs de couchage. Ouais, je sais qu'il y en a qui ont besoin d'un repos mortel. Il en est au caneton. 5 heures. Allez. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Henriette. Va faire ton repos mortel. Est-ce que. Non, pas. Ah, tiens. Urgentissime. J'ai besoin que tu m'en fasses en boucle jusqu'à ce que j'en ai 30. Hop. Installer ça là. Hop. Du coup, là, il me faut, bah, dès que je les aurai. 300 d'acier, j'ai plus d'acier nécessaire, putain. Là c'est du granit, là c'est tiens, ordre, tac, là j'ai de l'acier. De toute façon, putain, je recherche pas là en ce moment. Pourquoi je fais pas de recherche? Catox. Caneton élevé. Henriette, est-ce qu'elle en réveille auto? Oui. Attends. Je dis Catox n'ayant plus besoin d'allaiter. Je vais peut-être l'envoyer aussi. J'ai de la bouffe. Allez, j'ai un autre.
Ah merde, d'accord. Ça fait quoi ça déjà là? Plus d'hémogène depuis n'importe quelle source. Ouais, ça permet de faire des économies d'hémogène sur la longueur. Hop. À la chasse, compagnon. Ouais, c'est pour ça que quand je chasse en général, j'ai moins de recherche. J'ai plus de bois non plus. Oh, fais chier. Fais chier. Merde. Ah bah tiens, Chobiti, j'avais pas de chambre du coup. Et oui, merde. Et elle n'a pas non plus de radiateur. Où est-ce que j'avais mis un radiateur en plus dont j'ai plus pas besoin? Là. Clairement, j'en ai pas besoin. Non, alors c'est pas celui-là. Celui-là, je vais le laisser là. Celui-ci, l'installer là. Et là, du coup, je vais mettre là avec les prisonniers. Je suis sûr qu'elle ira très bien. Hop. Pas de lumière ici. Bon. Caravane prise en embuscade, merde. Tu fais du gaillot de diablotin. Tu m'as pris pour qui là? Donc ils ont des arcs à feu. Arc court. Arc court, ouais, t'as raison. À loin. Tiens, toi, il faut que je t'entraîne à tout faire. Animaux. Juste dans zone 1. Et les autres, je peux pas les obliger. Merde. Fracture arc court, balèze. Est-ce que je peux récupérer des trucs intéressants? Je ne pense pas. Donc, on est reparti. Arc court, vraiment, j'en ai rien à secouer. Tout ça non plus. Bah si, chez moi le pélican, ça sera toujours bien.
Bon, et Francis me fait des composants, c'est une excellente nouvelle là. Okay. Bon, mais ça a l'air de tenir sur le courant, même quand il n'y a pas trop de vent. Et même quand il n'y a plus de bois. Formidable. Qu'est-ce qui me fait qu'un ton? Une mine. Une mine, bah oui, c'est sûr qu'il y a une mine. Forestier. Et Spikey, il fait quoi en priorité là? Il fait ça et. C'est légitime, et Tom me coupe du bois. Voilà. Très vite de travail. Ok. Allez. Donc. TB Games, bon, t'as juste une accumulation toxique. Alors, qu'est-ce que vous me présentez? D'Artagnan, normalement, vous n'avez pas beaucoup de tirs, voire aucun tir. Donc, normalement, hop, vous allez faire beaucoup de taf. Non, alors, TB Games, du coup. Plutôt derrière, plutôt là, Shadow et Scorch autour, Cyrnanès ici et Onyxtro là. Deux dégâts entre chaque. Ouais, carte. Onyxtro, là, Cyrnanès. Allez, elle sauvegarde quand même. On sait jamais. Allez, il faut toucher les gens là. Moins un. Sur mon Xtro. Ah, il a quand même fini par là. C'est bon, il n'y a rien perdu. Ok. C'est une réussite. Hop, ordre. Une zone de caravane. Une zone tac est-ce que du ouais non il y a juste non ça sert à rien désolé Francis ton idée était bonne mais ça fonctionne pas allez on revendique tout ça. Et il va falloir alors aller chercher matériel
Un médicinal. Tac. J'en ai pas un qui. J'avais des médocs aussi. Ils les ont sur eux peut-être. Des fucs. Pas là, pas là. Pas là, pas là. Désolé, John. De toute façon, je vais te dire, je vais gérer ça et je vais sans doute m'arrêter aussi. 23h12, je suis assez KO. Et je vais avoir besoin de dormir. Donc, toi, tu vas me chercher les herbes médicinales. Toi, tu vas aller m'ouvrir ça. Toi, tu vas aller porter au Nyxtro et l'emmener par là. Parfait, en plus, je suis délicieux. Remonte tout s'il te plaît. Tac. Hop, hop. Secourir. Toi, si t'as les herbes médicinales, tu reviens là. D'accord. Hop, ça tu nous démunis. Et puis une petite zone. Le stockage pour récupérer tout sauf non c'est pas ça tac non ça clairement pas par contre ça non plus hop. Tant qu'à faire, j'aimerais bien que t'ailles pas. Attends, matériel, stop. Dépose-moi ça. Et toi, utiliser des herbes médicinales. Caravane, peux-moi arriver. Alors, montre-moi ça. C'est ça, ok. Canton. Ramasser un sérum de la mort. Le tox en aura un deuxième. Mastered Space. Non mais le gravage, on ne veut pas. J'avais dit. Très bien. Bon, c'est géré. Hop. Katox, quand tu te réveilleras de ton. Hop. Non, tu peux pas pour l'instant.
Caneton, tu apprends à Shobiti. Comment tirer, j'imagine. Ça, je sais pas pourquoi il annule de temps en temps. Tac. Tac. Ingérer. Tac, voilà. Comme ça te fait une capacité de plus, si j'ai bien compris. La structure 1 sur 2. Ok, c'est ça. C'est ça que j'avais pas compris. Dromadaire se joignent à nous. Les dromadaires. Alors c'est cool parce que les dromadaires, c'est plutôt des bonnes bestioles. Mais des dromadaires en pleine toundra, c'est inhabituel. Une femelle, bon. Hop. Ok. Bon, bah écoute. Je vais pas dire non. Infection, merde. Sur une extro. Et Shadow est psychotique. Comme bestiaux. Sûrement, mais ça va être bon. Ouais, juste là, c'est un peu chaud, quoi. Mais... Ouais, normalement, ça devrait le faire. 15%, 20%. Caravane détectée, 3,1 jours. Bon, une X3 n'est plus qu'elle est incapable de marcher, c'est une bonne nouvelle. Je vais récupérer. Parce que quand même, je pourrais le faire. Tac, ça j'en ai rien à foutre. Ça non plus, ça non plus. Ça non plus, ça non plus. Hop, hop. Comme j'ai dû. Les animaux de bas. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que... Récupère-moi toutes les herbes médicinales que tu peux. Et puis... Limite, me chasser de l'appétit. Me couper du bois. Histoire de faire. Ouais non, ça va être du dépeçage, ça suffira là, largement. Faut tomber et couper du bois. Hop. Merde. Je
laisser à Nyxtro la possibilité. 27%, 57, c'est bon. Non, non, pas 57. C'est quoi? Il en est à 39%. Bon, 10% de plus, ça devrait le faire. Je vais laisser se reposer la nuit. Et ensuite, je les renverrai dans l'autre sens. Bon, ici, c'est fait. Et un peu de carrelage au sol. Merci Widgent pour le raid avec. Salut à tes spectateurs également. Comment vas-tu? C'est pas le signe, hein, c'est Galden, pour info. D'accord. Ah, de toute façon, c'est ton premier message ici. Alors, comment as-tu trouvé ce lieu? Quel miracle as-tu trouvé ton... Grâce à Cube? Ah, j'étais venu lors de son raid, du raid qu'il avait fait. D'accord, bah c'est cool de le dire. Merci beaucoup en tout cas. J'allais pas tarder à m'arrêter, hein, mais... Tu es aussi un gros joueur de RimWorld. RimWorld, c'est la vie. Donne-moi ça. Ça, c'est quoi? C'est les murs en marbre. Les démolir aussi quand même. Tac. Mets-moi tout ça. Hop, hop. Qu'est-ce que je peux encore démolir que j'ai toujours pas démoli? Pas beaucoup de structures. Tu stream sur quoi habituellement? Sur RimWorld aussi. Pour ne pas faire très original. Ah, c'est bon, Shadow a fini de péter un câble. Parfait. Oui, j'avais dit que je repartirais. Nyxtro, c'est bon là. GTA RP, d'accord. C'est bon, affectionnez le plus. Allez, c'est reparti. Hop, une ferme muse. Le temps de repartir. Le temps de trajet est suffisamment long. Alors, je peux transporter plein de trucs. Smoke leaf. Bloc de calcaire, franchement, je m'en fous un peu. Par contre, acier, je vais prendre. Bloc d'ardoise, j'en ai besoin. Hop. Bien entendu ma corne. Les armes, je m'en fous un peu, mais ça se revendra un peu. Pourquoi est-ce que le casque a été enlevé? Je ne sais pas. Hop. Tout ça. Ça, je vais les prendre pour les lits en marbre, excellent. Wow. Nice. Ouhou, mon Dieu. Mon Dieu, encore lui. Merci Cube. Merci Cube pour le raid. Et salut Canapé, salut Nécro. Merci pour le follow. Et un autre follow. Ouhou. Encore lui. Salut Zidzit.
Ça s'est bien terminé votre battle royale? Ah. Vous étiez consulté, d'accord. Bah c'est cool, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Oh non, non, mais vas-y, hein. Tant que tu veux, hein. Le Québécois a gagné, et c'est bien. Vive le Québec libre. Bon, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de ces blocs de calcaire? Est-ce que ça me rajoute beaucoup? Ouais, allez, go. Au bout de combien de temps vous venez de terminer là? Ça, je vais les prendre, je les casserai aussi. Oh, 3,8 jours, ouais. D'accord. Et ils vont tout me raconter pas très longtemps parce que je commence à plus être dans une forme resplendissante à cette heure-là, moi. Ça s'est terminé comment? Et du coup, il faudrait, je regarderai un bout de replay. Je ne promets pas que je regarderai tout, mais j'ai regardé un bon bout au début là. C'était cool, ça avait l'air sympa. Et puis bon, le problème, c'est quand tu regardes les autres joueurs Rimworld, bah, ça te donne envie de le lancer. Donc, Éternel n'est plus inspiré, je m'en fous un peu. Hop, chèvre, tac, tac, tac. J'ai encore hier foire de loup, foire de cochon, j'ai plein de foire de cochon. Allez, mobilier, tac, foire de cochon. Tac, 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 tac. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc je ne suis pas les Jeux du Cygne, puisque les Jeux du Cygne, c'est une chaîne communautaire, donc on est plusieurs à streamer et à faire des let's play, des découvertes, etc. sur YouTube. Et donc je suis l'un des membres de la communauté. Spécialisé, on va dire, en jeu de gestion de colonies et sur les Total War. Et mes gros kiffs. Voilà, et donc là je suis sur un run tranquille en fait. C'est le premier run que j'ai lancé quand j'ai eu Biotech. Et donc j'ai juste activé Biotech. J'ai pas idéologie, enfin j'ai pas lancé sur cette partie-là. J'ai pas lancé idéologie ou royalty. Voilà, j'ai pas de mode fifou. J'ai voilà juste une petite partie tranquillou et bien plaisante. Chef-d'œuvre, bravo pour le fauteuil en cuir de cochon. Relation. Ah merde. Ok, donc là ça fait de la boue. Et bien. Avec un gros défaut sur ma base, c'est qu'elle manque de protection. J'ai pas de mur. Résident enclos. Ouais. Bon, en vrai, c'est pas dramatique. Mais...
Voilà, donc on a commencé sur un run sangophage. Le start sangophage, je suis sur un mode de deux, je suis en difficulté relativement light. Non, c'est pas là, c'est dans les options. Choisis un rateur. Je suis en quoi? Je suis en Cassandra, lutte pour la survie. Je pourrais peut-être passer en Romney. Je me disais que c'était quand même un peu calme. Je pourrais peut-être passer en Romney. Bon. Bref, voilà. Visiteur. Mission. Hop. Voilà, donc run sangophage. Alors j'ai commencé avec Canton et Catox. Qui étaient mes deux seuls personnages qui se sont tout de suite maqués. Et puis ensuite ils ont été rejoints par de nombreuses personnes. Comme vous pouvez le voir. Alors, lance en métal bon, ça je vais te prendre. Et je vais te revendre plein de trucs tout pourris. Hop. 267, ouais. Capuchon cuir. Hop là. 161, tac, 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 tac. Attends, en vrai, je vais plutôt te refiler mes sculptures. Ça prend plus de place. Je vais garder ça. 391, bon, de moins. 217, allez, pouf. Tac. Ouais, le reste, je m'en fous. Film. Tiens, ramasse-moi tout ça. Tac. Ah non. Voilà, voilà où. Rentrons à commercer. Qu'est-ce que je peux te revendre? Ça, l'avantage, c'est que ça me fera pas d'emmerde. Ça m'encombrera pas. Peut-être pas grand-chose d'intéressant. Je te reprends du pemmican. Attends, tiens, j'ai une smokeleaf à te refiler en plus. Hop. Le reste, je vais, parce que j'ai quand même plus beaucoup de... Ah si, j'ai un peu de... Hop. Ok, très bien. En vrai, je pourrais aussi refaire des vêtements, chemise et pantalon pour Chobiti. T-shirt d'enfant, pantalon d'enfant, parka d'enfant. Ça, il faut que j'arrête. Le bandeau, je m'en fous. Le bandeau et le mode, je m'en fous.
crois. Moi, je commence à être juste. Ah mais non, j'en ai plein sur la caravane. Con. Ah oui, attends. Toi, je voulais te raffiner un extro de corne. Ah ouais, non, tu me n'arrives, il me reste que 98. Vous me direz. J'ai encore plein de riz. Tellement du bien. Pourquoi est-ce que j'ai plus personne qui recherche là? Ah putain, je l'avais passé en tout. Quel con. Tu m'étonnes que j'avais plus personne qui recherchait, bordel. Parce que Katox, c'est l'autre chose à foutre. Elysium. Je pourrais le mettre en deux aussi quand même. Alors, Damned, ça c'est pas une très bonne idée. Où est-ce que t'es, Damned? Là. Te casse. Bon, là, il y a plein de trucs à aller chercher. Mais Damned, tu te casses. Tac, 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 tac. Et en vitesse. Chef-d'œuvre, magnifique. Tom. Ok, échéant, il faut que tu sauves Damned. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Aussi, merde, il n'y a plus d'arbres aussi. Tu vas pas te balader sans arbres aussi. Là. Et Francis, putain, j'ai que des mecs. Au cac. Henriette, t'as plus d'arbres non plus. Tu vas aller me chercher. Alors non, c'est toi qui vas prendre la masse. Et aussi, tu vas aller me prendre ça. Qui d'autre n'a plus d'armes? Toi, t'es armé. Armé. Moi, c'est en cours. Armé, armé. Toi, c'est en cours. Katox n'en a pas, c'est normal. Ok. Alors, Spikey et Éternel, vous allez à la chasse au loup. Tac, Tom, tu vas aller par là. En 6, tac. Ici, tac. Tox, non. John, ok. Couillon. Ah, elle est plus en mode chasse. Bon, d'accord. C'est bon. Pourquoi tu me la chasses? Ok. Alors, du coup, Spikey, tac. Ça c'est fait. Tac. Hop. Pourquoi t'es accroupi? T'es un peu froid? Bien. Ça c'est fait. Tac. Comment terminer, fabriquer un pantalon d'enfant. Très bien. Hop. Un jour on arrive à destination. Bon, l'extro est presque récupéré.
Hop, hop, hop. Et ouais, du coup, le problème, c'est qu'il me fait prioritairement ça. Maintenant, chier. Putain, devant. Non. Juste manip. Et ça y est, c'est le printemps. Rossignol est en illumination artistique. Donc quand est-ce que vous arrivez, vous? En un jour. Je pourrais me faire quelques petites pièces. Même si je commence à avoir de moins en moins de recrues potentielles. Hop, mais en ardoise. Même m'appuyer là-dessus. Hop. Tac. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Et tac. Ma dérange station. Hop, il y a un marbre. Pas assez de marbre. Ah non, il y a du calcaire. Peut-être aller en chercher. Non, ça c'est du calcaire. Hop, aller me chercher du marbre. Et voilà, ma caravane est rentrée. Ringstrong quasiment full life. Et c'est un succès, cette chasse. Allez, là-dessus, je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aider? On repart sur quelqu'un d'autre. Je vais regarder. Qu'est-ce qui serait. Eh bien, on va retourner voir Morrigan sur Ixion. On va aller raider Morrigan sur Ixion. Merci à tous ceux qui sont venus suivre cette deuxième partie de soirée après Cube. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Voilà, je vais arrêter le live après le raid. Merci à tous et bonne soirée et bisous à la VOD aussi. Ciao ciao. Hop, tout le monde est là. C'est parti. Bye bye. Raiders detected. Welcome and enjoy your stay. Bienvenue.
Bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Hop. Bienvenue, bienvenue. Hop, c'est long à taper à chaque fois. C'est très long, hein. Comment vas-tu? À quoi est-ce que tu jouais? Bienvenue en tout cas. Bon, moi je te refais pas le topo, hein. Ça n'a pas bougé. En tout cas, merci beaucoup. A ship has been destroyed by a space weather event. Mais... Il n'y avait pas de Wave Event? Ah si, là.